faux? Non, non. Le dieu Hercule, il réalisa 12 travaux qui lui valurent d'être admis dans l'Olympe, les dieux le reconnaissant pour un des leurs. Bon, Astérix, tu es le plus malin d'entre nous et toi, Obélix, le plus fort. Vous êtes certainement les seuls à pouvoir triompher. Oui, je sais, il va pleuvoir, les oiseaux volent pas. Que désires-tu, beau guerrier? Manger. Manger? Bah oui, quoi, j'ai faim. Tu te trouves dans l'île du plaisir, la grande prêtresse te demande ce que tu désires, et tu désires manger. Comment va Justin? Comment va San Francisco? Ah, ça s'agrandit, docteur. Ils ont même des trolleybus maintenant. Des trolleybus? C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est un trolleybus, maman? C'est un bus à trolley. Et puis tais-toi maintenant, tu poses trop de questions. Stormy est vraiment une pauvre orpheline, honorable monsieur Justin? Bien sûr que non. Tu es ma petite fille. C'est que c'est pas la seule famille qui a perdu sa terre. Eh oui, c'est comme je vous le dis, il se passe de drôles de choses. Le Suez va finalement être ouvert. Et grâce à ce canal, vous allez pouvoir faire le tour du monde en 150 jours seulement. Absolument ridicule. J'ai fait mon troisième tour du monde il y a 3 ans et cela m'a pris une bonne année. Vous avez dit seulement 150 jours. Non, c'est un énorme mensonge. Tant pis, je disais que 150 jours, c'est beaucoup trop long. 80 jours me semble largement suffisant. Hein? Voilà. 80 jours, Pérou? Si, je le peux. J'en suis sûr. C'est donc un pari. Eh bien, je parie ma fortune et ma situation que tu ne le pourrais pas. Sa fortune, sa situation. John Blackstar, astronaute. Les hasards d'une mission le conduisent près d'une planète inconnue au fin fond de l'univers. Contraint de s'y poser, il est sauvé par des êtres minuscules, les Trollis. En remerciement, il leur propose de se battre avec eux pour gagner leur liberté contre l'infâme Overlord. Il détient sa puissance d'un glaive au pouvoir prodigieux qui peut se diviser en 2 lames de force égale. Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Détient le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Sérénia. Oh, c'est très bien. Eh bien, on prend de la place, on fait l'hirondelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Êtes-vous capable d'imiter un skieur? Qu'est-ce que ça fait un skieur? Quelqu'un qui fait du ski, qu'est-ce que ça fait? Oh, ça a des bâtons, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait imiter aussi? Oh. Oh. Un joueur de tennis. Un joueur de tennis. Pour aller à l'école, au magasin, au bureau, à l'usine chez la voisine.